La situation chez nous, à vrai dire, à Karakoche même, où j'habite moi-même, et même, on peut dire, à Mossoul elle-même, plus ou moins, ils sont calmes. Ça va très bien. Mais ce n'est pas le cas en Irak. En Irak, nous perdons maintenant vraiment, il n'y a pas de gouvernement qui gouverne. C'est le cas. Les gens font ce qu'ils veulent, donc il n'y a pas vraiment de sécurité pour tout le monde. Les gens encore ont peur, et même chez nous, bien qu'ils soient tranquilles, ils pensent toujours à s'enfuir. Moi, j'ai toujours un espoir qui est optimiste, bien que vraiment le visage n'est pas toujours clair. L'Irak n'est pas encore content, n'est pas tranquille. Donc on peut toujours avoir peur et crainte, mais quand même, avec l'espoir que nous avons dans les gens de bonne volonté, le monde d'abord, les gens de communautés comme les Vaudouriens, les gens qui sont proches de nous, ils veulent nous aider pour nous encourager de rester toujours chez nous.